Sois béni, mon frère. Jésus,
Sois béni, ma soeur. Soyez béni. Soyez béni. Comment te préparer pour aller au ciel? Hein? Fais attention. Oui, mais c'est léger. Même n'importe qui. Le samedi, comme ça, tu peux quitter en boîte de nuit et puis du moins tu te rends chanter. C'est ce qui est important pour Dieu. C'est-à-dire que la parole est libre. On se limite seulement à écouter, lire les livres. Je vais aller là-bas, c'est
et nous sommes sauvés par Jésus-Christ de Nazareth. Le roi de le Dieu tout puissant, c'est lui qui pardonne nos péchés et qui nous demande aussi de pardonner les péchés des uns des autres. C'est lui qui nous demande de sortir de la colère. C'est lui qui nous demande de sortir de la jalousie, de l'envie, de la traîtrise, de la tromperie, de la méchanceté, de la malice, de tous les péchés, parce que chacun a son péché mignon. Mais sachez qu'il est moche. Le péché mignon n'est pas mignon. Ça, c'est un mensonge du diable. Le péché mignon amène à l'enfer. Si on ne se repent pas, c'est l'enfer. C'est une vérité. Beaucoup vous pensez que l'enfer n'existe pas. Mais sachez que si sur terre, la justice n'est pas parfaite, celle du ciel, la justice de l'éternel des hommes, elle est parfaite. Elle est toute puissante. Et personne ne pourra déroger à la règle de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Il vous appelle à la repentance. Il vous appelle à marcher dans ses voies. Car il est Dieu. Et Dieu est le Dieu de son peuple. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ vous aime.